death of a spirit guide is a lonely one. Salut les petits malins et bienvenue dans un nouvel épisode de Kina Bridge of Spirit. C'est Papa Fox à la manette et on suit les aventures de ce petit groupe tout de suite. On est de retour avec nos petits rottes. Dans l'épisode précédent, on avait affronté Adira, un combat épique, mais ça passait. Ça passait. Si je faisais pas de bêtises, ça s'est bien passé. Alors on est venu honorer Adira et maintenant, on nous a dit qu'il fallait aller voir Toshi. Et lui, son masque, franchement, il fait peur. Et surtout, vous n'oubliez pas, pour suivre l'aventure, on s'abonne, on active la cloche, le like parce que ça fait plaisir et le commentaire pour les petits chapeaux de Rots. Regardez, on en a plein, de chapeaux, on a plein de Rots. Il n'y a pas de souci, il y a tout ce qu'il faut. N'hésitez pas, en commentaire, vous mettez ce que vous voulez en petits chapeaux. On a plein de choix. Et n'hésitez pas à visionner les autres épisodes pour voir tout ce qu'on a gagné en chapeaux. Et donc, résultat, ben, on repart à l'aventure. Alors, on m'avait dit d'aller vers la montagne, mais je suis plus très sûr de où je dois aller. Et des Toshi, hein, c'est ça. Il y a la barrière, portail. Utiliser le masque pour ouvrir la barrière des esprits. Mais pourquoi il y a des portails Ah, ben c'est pour moi, peut-être passer... Ouais, bon, écoutez, on va voir. Hein. Avançons un petit peu. Wow, repasser en mode un peu exploration. Donc, on va pas se prendre la tête, hein, je pense. Hop. Ah, il y a des masques, là. Regardez. Là, il y a des masques de tarot. Et puis là, il y a Adira. Ouais, c'est bizarre. Bon. Direction la montagne! Et alors, on avait découvert une créature étrange. On ne sait pas ce que c'est, mais elle se balade près de la montagne. Alors peut-être qu'on va... Ah, j'ai un peu trop près. Voilà. Utilisez le masque. Là, vous allez voir. Non, on ne le voit pas. Oh, boum. Ah, ça explose de partout. Non, on le voit pas. C'est marrant les marques, là. C'est quelque chose. Non. Ok, bon. Bah, direction la montagne. Hein. Allez, on peut voir le vous montrer, je crois, non? Ah, ça, c'est Tarot. C'est Adira. Ah là, Toshi! Il fait peur, quoi! Je veux dire, là, les masques. Ouais, celui-là, il est tranquille. Non, là, celui-là, c'est pour dire. Voilà. Alors, celui-là, franchement, il fait peur. Bon. La montagne. Ah, c'est plus le même décor. Il fait plus froid ici. J'espère qu'Ina va pas attraper un rhume parce que... On n'a pas eu trop de ramage jusque maintenant, ça a pas trop bugué, même si le jeu continue à être un peu difficile à tourner. Alors... Ok... Ouais, voyez... On va se louper. Après, j'ai comme l'idée, il fait super calme, il y a un truc qui va me tomber sur le coin de la figure. Oh, la montagne! Ah, déjà, il y a une pierre de téléportation. Ça, ça fait toujours plaisir. Et rien d'autre? Non. Bon. Eh bien, engouffrons-nous dans la montagne. Hein. Oh, 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 oh. Ah, ah. Alors déjà, il y a des plantes de soins. Ça rame, c'est vert. Voilà, il y a des plantes de soins. Donc déjà, ça veut dire ça pue. C'est, tu vas te battre. Donc en fait, c'est j'enchaîne un deuxième boss direct. Ouh, il y a des messieurs qui surveillent. Vous ne passerez pas. Oh, oh, oh. Je suis pas sûr que je suis motivé. Non, il faut quand même des... Ok. Allez, c'est parti. Oh, il kiffe pas les rottes. Ah, vous avez vu, il fait peur son masque, quoi. Ouh, ça s'est mal passé.
Wow. C'est violent. Vous avez bien progressé, guide des esprits. Mais que cherchez-vous vraiment ? Que cachez-vous ? Pourquoi êtes-vous ici ? Je peux sentir votre véritable intention. Vous prétendez vous occuper de ces esprits, mais en fait, vous ne servez que vous-même. Oh putain, mon bâton ! Vous ne pouvez pas me cacher votre faiblesse. Oh, c'est parti en couille. Mais d'une violence. J'avais peut-être un doute sur le fait qu'elle allait mourir avant la fin du jeu. Mais ça a peut-être arrivé plus tôt que prévu. Waouh. Le monde des esprits, je suppose. Papa ? Papa ? Où es-tu ? Je ne peux pas rester ici. Papa ? Je veux rentrer à la maison. Mon papa a disparu. Pouvez-vous m'aider à le trouver ? Ne vous inquiétez pas. On peut le chercher ensemble. Voici son bâton. Il ne peut pas rentrer à la maison sans lui. Pouvez-vous le porter pour moi ? Ok. J'ai une expérience de mort imminente. Allez-y doucement. Vous avez parcouru une vaste distance. Passer de l'autre côté n'est pas une mince affaire. L'esprit de Toshi est différent, plus fort que les autres. Il a pu me pousser de ses souvenirs. Toshi manie un pouvoir indompté, mais ce n'est pas la raison de votre échec. Les esprits corrompus se nourrissent des conflits à l'intérieur de nous. Mon père me racontait des histoires sur le sanctuaire de la montagne sacrée et son lien avec le royaume des esprits. Après l'avoir perdu, j'ai décidé de trouver le sanctuaire dans l'espoir de devenir une meilleure guide des esprits. Une partie de moi-même savait qu'il était parti, mais j'ai pensé que si je pouvais aider assez d'esprits à trouver la paix, ils me verraient et seraient fiers. De nombreux guides des esprits sont venus avant vous, mais ils ont tous échoué. Votre père serait fier de la personne que vous êtes devenue.
Toshi ne pouvait pas accepter le destin de notre village. Il a détruit une créature sacrée et brisé le cycle naturel des terres. Ah, c'est une créature qu'il ne fallait pas abattre, c'est pas bien ça. Il semble que Toshi a caché ses reliques au royaume des esprits. Vous allez devoir passer de l'autre côté pour les chercher. Carrément. Cherchez des portails dans le village et lancez-vous à travers eux pour atteindre le royaume des esprits. Donc tout en maintenant le bouclier, un pied sur terrain pour faire un élan. D'accord. Utilisez l'élan pour esquiver les attaques. C'est cool. Traverser portail des esprits. Un élan consomme l'énergie du bouclier. Ok. Empruntez la voie du fabricant de masques et cherchez la relique de Toshi. Ok. Wow. Bim. Bim. Ah, c'est pas mal. Après, ouais, ça claque le bouclier. Empruntez la voie du chasseur, chercher la relique Toshi. Ouais. Et puis empruntez le dernier portail et chercher la relique de Toshi. Preuve débloquée, bien sûr. Bon, d'accord, donc c'est ça, ouais. La peur de Toshi, les regrets de Toshi et l'amour de Toshi. Ah, on va commencer par quoi le plus près ? Hein ? La peur de Toshi ? Ah, oh, j'ai du karma. Améliorer un truc. Non, il me faut beaucoup de karma pour améliorer un truc. Ouais. Ouais, 400, 300, 400. Là là. Force du bouclier, ça j'en aurai besoin. L'attaque précise, les bombes. On arrive au bout tout doucement. Hein. Alors. C'est ici, hein, c'est ça ? Non, c'est plus haut. Excusez-moi. Hein. Temps de se repérer, hein. Bon. Donc, par ici. Ouais, c'est ça. Hop. Hop là. Voilà. Ok. Bon. Bah, quand faut y aller, je vous dirai. Loum ! Eh ben, bah, je suis passé. Ça me fait. Ok. C'est quoi ce délire ? Oh non, on me dit pas que ça rebug, quoi. Ah ouais, rien, ils sont là, les petits rots, ils avancent plus non plus. À moins que c'est d'ici qu'il faut que je me projette ? Je suis trop près ? Je vais essayer. Non. Non, ça marche pas. Ah, c'est relou. Eh, il y a vraiment un bug dans le village. Hein. C'est un truc de dingue. Ah ouais. Alors, je suis fou, quoi, mais il m'a dit quoi, lui ? C'est vrai, non ? Ouais, c'est ça. Carte. Un portail. Et un portail aussi. Le regret. Ça, c'est pour l'amour. Peut-être l'amour d'abord ? En plus, là, ils mettent peur, amour, regret. Donc, il n'y a pas de raison. Bing ! Ah, ça y est ! Oh là là ! C'est temps de chargement infini. La voix du fabricant de masques. C'est un peu le puzzle jump. On est de l'autre côté. Putain, faut pas plonger dans l'eau. Je le vois déjà d'ici. Bon. Ok. Bon ben, nous voilà dans le royaume des esprits, mes amis. Ouh là là. Ouh là là. Ah oh, bon, il y a déjà un coffre maudit en arrivant. Ok, ça c'est cadeau. Ça m'intéresse pas. J'aime pas les coffres maudits de toute façon. Alors, est-ce que c'est une carte particulière ou ça compte ? Ah, ça compte peut-être dans la même carte, en fait. Bon, allez, on le teste pour le principe. Bon, s'il y a du temps, Osef. Alors, vainquer tous les ennemis. Ah, sans subir de dégâts. Wow. Ah, bah, déjà, ça lag. Comment je fais sans subir de dégâts ? Et voilà. Ouais, j'ai pris un dégât. Mais non, mais ça lag, quoi. Allez, franchement. Comment... C'est ça aussi, les coffres maudits. Comment tu veux les faire alors que tant tu ouvres, ça lag, ça rame et tout. C'est pas possible, quoi. Ce n'est point possible. Je viendrai les faire plus tard. Je vais pas perdre du temps là-dessus. Je m'efforcerai à les faire jusqu'à ce que ça passe, mais plus tard.
J'ai envie d'avancer dans le jeu, j'ai envie de voir l'histoire. Ça aussi que je partage avec vous, l'histoire du jeu. Et des temps de chargement infinis. Bon, on recommence. Là, ça lagouille un peu. Là, on peut descendre. Il y a quelque chose si je descends. Ah ouais, bah ouais, ouais. Oh là là. Je crois qu'ils apparaissent une fois l'an. Ah mais ça c'est bloqué, d'accord. Il faut venir par l'autre côté. Donc on va grimper. Et là c'est bloqué aussi, oui. Ah, baston. Oh non. C'était quoi ça? Bon, bah après cette chute pourrie, on va retenter le coup, hein, pour pas me faire éjecter. J'aime pas les sorciers, putain, c'est une saloperie ces trucs-là. C'est quoi, c'est quoi ce truc là? Ah mais il a pompé ma vie. J'avais pas compris ça. C'est ça cette histoire. En fait il me pompe mes PV cet enfoiré. Ah mais ils sont dangereux, crevez. Voilà. Eh bah dis donc. Heureusement eux je les connais. Et vous êtes encore beaucoup comme ça? Oh là là, mais c'est fini. Oh, 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 oh. Eh, c'est un peu traître cette histoire. Bon, et c'est fini? J'ai jamais trop compris cette histoire, mais bon. On va arrêter deux secondes. Hein. Bien sûr, avec le lac, ça aide. Explique-toi, merci. Oh, mais la baston d'entrée, quoi. Va falloir se calmer, les gars. Ah non, merci. Au moins ça. C'est quoi ça? L'encens? Ah, faut le déplacer. D'accord. La question c'est je le déplace où, j'en ai absolument aucune idée. Mais non. Là. Allez, par là. Je peux traverser le pont avec. J'imagine.
Ah, ici, ok, ouais. Voilà, mets ça là-dedans. Allez, les gars! Ça, c'est des petites traînées. Ah, il y a un petit pot là-bas aussi. Allez, hop. Voilà! Ouverture, oui! Lag, oui! D'accord, ok, pour les portes, il faut carrément transbahuter, quoi. Bon, je vais venir de checker un petit peu ici. J'ai vu qu'il y avait des trucs. Voilà, ça déjà. Ding 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 ding, des petits cristaux pour acheter des petits chapeaux. Ah, je farfouille. Ah, regarde, si c'est un truc, il faut monter. Ah, tu vois bien qu'il y a... S'ils arrêtaient de laguer ! Ah, bordel. Ah, c'est vraiment plus dire de gros mots maintenant. On va faire attention à ça. Moi je dis que... Moi je dis que... Il faut farfouiller. Il faut farfouiller. Sûrement des trucs. Hop. Hop, 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 hop. Après. Voilà. Hop là. Arrête de lag. C'est un truc de ouf. Donc, alors. Il y a forcément quelque chose. Je suis pas monté ici pour rien. Alors, la question c'est, est-ce qu'il y a quelque chose ou est-ce que... Comme d'hab... Ah, ouais, si, il y a quelque chose. Ou alors ça n'est pas apparu, tu vois ce que je veux dire. Ok, donc on continue de grimper. Ok. Alors, la suite. Ça y est ! Ouais, non, tout ça pour un courrier. Tadam ! Courrier des esprits. Il y aurait ce courrier au village. Donc on aura libéré une maison de plus. En tout cas, celui-là, il faut aller grimper pour l'avoir. Hop. Bon, redescend. Résultat. Hop. Là-dedans, il n'y a rien. Ouais, je peux monter sur le toit. Je sais pas si c'est vraiment autorisé, mais... Ça marche. On va en profiter. Je peux pas rentrer dans la maison. Je marche dans le vide. Hop. Voilà. Bon, elle fait des super sauts, Kina. Elle se blesse même pas. Hein. Là, c'était là où il y avait l'encens. Bon, il n'y a plus rien d'autre. Ok. Bon, bah voilà. C'est une première partie de fête. Hein. Bon. Donc. Ok. Alors là, je sais pas où je suis. De toute façon, que ça risque de bastonner souvent. Je vois pourquoi. C'est au-dessus du jeté. Ok, d'accord. Donc il n'y a pas vraiment grand-chose qui change. Oh, oh, le lag en plein saut. Non. Rien au-dessus. Non. Ok. Ensemble. Ok. Tong tong. Je sais pas s'il y a des rotes à récupérer dans ce monde bizarre. Je me précise pas en fait. Je suis dans le même truc, mais est-ce que. Ça m'étonnerait qu'il y ait des rotes. Les coffres, oui. Bah, il y en avait un en arrivant. Ah, ça, c'est la montagne. Et ici. Hop, hop. Oula. Raté. Ouais, faut encore se friter, quoi. Un peu d'avance. Tout ce que je peux péter avant de me battre. Tant qu'à faire.
Est-ce qu'il y a autre chose encore ? On va avancer tranquillou. Sûrement encore des trucs, hein, parce que l'heure elle est fermée. Non ? Il y a d'autres choses à péter ? Bizarre. Ouais, j'ai bugué le jeu. Ah non, mais ça me semblerait bizarre que j'ai pas d'autres monstres à tuer. Libérer la plante, quoi. Je sais même pas pourquoi je suis venu par ici. Oh là, j'ai perdu mon chemin. C'est quoi si... Ah non, ça s'est fermé derrière moi. Non, c'est pas sérieux. Bon, et toi ? On te fait ta fête quand ? Non ? Ok. Bon. Je suis pas contre le concept, mais Ah, c'est ça. Ça bloque un peu. Alors, je suppose que je dois aller par là. Pour ça, il faut sûrement que je m'arrange avec le machin, là. Ah ! J'ai trouvé un truc. Est-ce que je peux viser d'ici ? Ouais. Non. Ah si, ça a marché. Ok. Un peu bizarre, mais bon. Il me semble que j'en ai raté un. Résultat. Ouais. J'ai raté. Voilà, il va repasser. Ça s'est éteint. Voilà. Et c'est tout. Il me semble que c'est le seul qui restait. Ouais, ça, c'est fait. Ok. Bon, et après ? Je me batte, moi. Ah, voilà. Waouh. C'est trop petit monstre de merde. C'était vraiment pour dire, quoi. Voilà, je savais bien que c'était bloqué pour une bêtise. Faut pas tomber. Attention. Ok. Alors, mais il y a plein de portes partout, c'est quoi ce bordel? Non, qu'il a la bombe d'abord, le pont ensuite. Oh! Mais j'étais dessus! Bah, hey, on va arrêter le délire là. Alors, je veux bien que des fois... Ok, mais alors là, franchement, non quoi. Il y a quasi un mur invisible devant quoi. Tu montes dessus hein, cette fois. Voilà. Merci. N'importe quoi cette histoire. Il y a des limites à tout. Bon. Il y a... Boum! Oh, c'est passé tout seul. Et là, j'arrive. Même chose au-dessus, c'est ça? Non, j'arrive pas. Même chose au-dessus. Ok. Bon. Oula. Non. C'est chaud comme système. Ouais, c'était pas ça. Ça me semblait haut. Ça me semblait bizarrement haut. On va attendre. Donc monter. Et à mon avis, l'autre là, faut le retourner. Oh, recommence. Ça, il laisse du temps, hein, mais... Blanc. Ouais, c'est ça. Deuxième là. Ouais, ils ont des... Ah non. Tac. Tac. Bordel. Ok. Pff, compliqué ton truc, hein. Oh là là.
Non, Kina. Kina, la flèche. La flèche. Merci. Oh là là, fou, je m'emmêle les pinceaux à force. Ça, il faudra une larme. Allez, rebaston. Oh, il y a des flantes en plus. Bon, bah, quand faut y aller, hein, faut y aller, hein, je vous dirais. Et ça lag. Bah ouais, mais quand les monstres, ils apparaissent, ça lag, je fais comment? Oh, lui, je connais pas. Comment je le tue? Il a pas de barre de vie. Mais laisse-moi tranquille. Aïe. Je fais comment pour enfoncer? Ah, ok. Waouh, bon, c'est pas grave, je vais vous avoir. Quand on a compris le truc, c'est facile. Par contre, frapper et utiliser le truc en même temps, c'est chaud, quoi. Mais bon. Ah ah, c'était ça l'histoire. Voilà, donc les esprits, il faut leur rentrer dedans avec l'élan spirituel. Voilà, vous aurez appris un truc. Moi aussi. Soit dit en passant. Ah, quelque chose ici? Ah ah ah. Et quoi, c'est quoi ça? Interagir. Cet endroit pouvait avoir été l'atelier de Zaiju. Ses outils ressemblent à ceux qu'il porte. Ah. Ok. Après, il faut suivre le truc. Ça, il est pas parti trop loin. Masque. Les masques que je fabrique ne peuvent aider que les esprits qui nous ont quittés. Votre devoir est envers ceux qui restent de notre peuple. Je crains que le fardeau d'un chef de village ne fasse que s'alourdir avec le temps. Ah, il l'avait prévenu. Ah, et l'alarme. Parfait, merci. Allez les rots, on va libérer le sanctuaire. Hop. Donc c'est vrai que le village, en fait, ça sert à rien de se prendre un peu trop la tête des trucs à découvrir, parce que comme il y a la phase normale et la phase la ombre, pas tout de suite forcément. Interagir. Des petits cristaux. Et j'ai assez pour améliorer mon bouclier. Oui, direct. Voilà, sachant que ça va frapper fort. On a 300 là au-dessus et puis il restera les deux derniers là. 4, 4 et 3. Ah bah. Ça fait encore un paquet de karma à récup, mais bon. Ça va aller. Donc, hop. Voilà, et donc forcément là ici. Hop. Voilà. Boom. Ouais, ok, donc là il n'y a même pas besoin de s'embêter. Alors, tac, et boum. Oh, ouais, ouais, ok. Ouh. Fallait pas réfléchir longtemps. Ok. Ok, voilà. Paroi, la grotte, hein, à s'accrocher. Tac, tac, tac. On continue de monter, par contre. Hein. Hop. Toujours en montant. Hop. Voilà. Ok. Oh. Point de TP. Merveilleux. Et... Ouais, ça pue. J'y suis. J'y suis. Baston. Grande zone vide. Je vais faire une sauvegarde, par contre. Au moment que j'ai pas sauvegardé manuellement. Oui. Sait-on jamais. Ok. Ok. Là, il y a quoi? Rien. C'est un peu le sanctuaire. Mais... Donc, moi, je viens de là en bas. Donc, je suppose que je dois aller par ici.
Là, y a rien ? Non. Ok. Bon, bah. Bonjour. Non ? Y a rien ? Ok. Ça sent. Bug graphique. Pareil ? Ça sent que tout n'a pas chargé. Là, la zone est vide, elle est grande. On va venir me dire qu'il manque quelque chose. Il doit sûrement manquer quelque chose, c'est pas possible. C'est pas possible que ce soit grand comme ça qu'il n'y ait rien. Il y a un truc, genre un truc pour méditer ou... Ouais, là on voit, il y a de la corruption là. S'il y a de la corruption là, c'est que... Alors, je me souvenais pas que ça faisait ça, mais... C'est un peu fatigant cette histoire parce qu'au final, avec tous les bugs, je sais pas s'il manque quelque chose ou si je dois faire quelque chose. Ça me semble quand même vachement vide. Je veux dire, il doit y avoir un truc. Non, je peux pas passer. Allez, je dirais encore, je grimpe là au-dessus, mais là, tout de suite, je ne peux pas. Au-dessus, je vois rien. Là, bon, c'est joli, il y a de la neige qui tombe. Voilà, on doit être au-dessus du village, là où on a commencé le jeu. Je vois rien pour monter sur le côté. Là, ici, à part me péter la gueule. Non, il y a encore un problème de chargement, c'est obligé. Je sais pas si autrement. Il y a rien. Je devrais au moins avoir un boss, un combat ou quelque chose, en fait. En plus, il y a un petit point de téléportation, donc... D'ailleurs, c'est pour revenir et tout, en cas de problème, quoi. Rien à faire. Et pourtant, il y a, hein, on voit la corruption au sol. Et s'il y a de la corruption au sol, c'est que normalement, il y a des trucs qui doivent apparaître. Vous avez vu, c'est peut-être la seule chose à me plaindre du jeu. C'est-à-dire, c'est ces bugs rémanents. Et je veux dire, à la limite, ça me le ferait avec d'autres jeux. Je dirais, voilà, problème de PC ou quoi, ou d'install. Et là, là, j'ai vraiment ça qu'avec ce jeu-là, quoi. C'est incroyable. Bon, bah. Ouais, il me fait des petits points de sauvegarde, voilà. On descend, on remonte. On peut peut-être espérer avoir un truc, hein, mais... Non, rien à faire. Vous savez quoi? Bah, je vais me TP. Je vais revenir. Sait-on jamais? Voilà, se téléporter. Alors, je vais me téléporter... Hall du chef, voilà, allez. On va faire un test, hein. On verra bien. S'il pense, quittera là pour cet épisode, hein. Bon, voilà, on est revenu au hall d'entrée. Et je reprends téléportation. Et on retourne à la voix du fabricant de masques. Oui. Voilà, on est revenu. PV bouclier. Et... Ah, qu'est-ce que je vous avais dit, manquait des trucs ? Et il manque pas un petit peu de trucs, hein ? Allez les gars, ça, ça va, là. Truc de ouf. C'est incroyable ces problèmes de chargement. Ah, ok, donc on a des combats au fur et à mesure. Oh, pourquoi pas. Hop. C'est bon ? Ok. Alors, deuxième. Il va lui là-bas. Ok, donc chaque fois que j'en pose un, c'est des combats. On va y aller tranquillou. Hein. Hop. Okay. Bon, pourquoi se prendre la tête ? Je vous avouerai. Voilà. Et à mon avis, c'est là que ça va merder un peu. Ou alors c'est assez tranquille, mais vu qu'il y a quand même deux fleurs de vie, ça sent quand même une bonne petite baston. Et attention, c'est là que le boss arrive? Non. Ah ? Genre. Donc,
Tout est en place. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Que tout est en place. C'est quoi qui va sortir de là ? Non, on vous a utilisé, donc c'est pas la peine. Alors. Bon, j'ai tué les trois méchants. Donc il est où mon boss ? Vous vous posez des questions ? Ouais, moi aussi. Ah, me dis pas que c'est pas les bons quand même. Ah putain. Comment ça marchait ? Tu paries que c'est ça ? Hop. Ah c'est ça. Il y en a qui a les yeux mauves. Voilà, donc il faut que j'inverse déjà. Celui-là, il va là-bas. Oh là là, putain, je me suis trompé. Bah ça va, au moins je cherche pas pendant 3 heures, quoi. Donc, ok, donc déjà faut que j'inverse. Ok, oh là là. Alors, oui, allez rechercher ça. Alors, allez le poser là-bas. Voilà, on va le relâcher. On va attraper celui-là. Mais non ! L'autre là-bas. Voilà. Alors, celui-là il va là-bas. J'étais pas loin. J'ai fait jamais que 3 erreurs sur 3. Voilà. Bon, vous allez attraper celui-là. Voilà. Et vous allez l'amener là-bas. Un peu plus loin. Voilà, il y a moyen. On va le faire. Ah, quoi que ça, je peux le poser direct en fait, résultat. Voilà. Ok, c'est good. Ah ouais, mais des fois après, on sait pas si les monstres ils apparaissent pour une bonne raison ou pas. Voilà, deuxième. Ok. Bon. Allez, c'est maintenant que ça pue. On se prépare. On va se faire un boss. Et c'est parti. Voilà. Oh là, c'est quoi ça? Ouais, bonjour. Qu'est-ce que tu es? Ouais, donc il y a un truc, t'es obligé. Un masque volant. Oui. Oh putain, il est invisible. Ah non. Ah. À moitié. Putain, ok. Le ninja des glaces. Oh putain. Wouah. Direct quoi. Oh, il m'a enchaîné quoi, direct, lui, il a pas à se poser de questions. Oh là là, direct lui, espèce de violent. Wow! Ah, bah, ah ouais, c'est Ninjuku quoi. Il m'a ruiné mon bouclier direct. C'est quoi ça ?
Oh là, c'est quoi cette technique de balade? Ah bah ouais mais... Non. Non, ok, d'accord. Lui c'était juste pas pour rire en fait, c'est juste pour te dire, tiens, je vais te la mettre sévère. Oh, ouais, il est raide lui, hein. Bon. Déjà il court partout, il saute partout, il disparaît partout. Je fais quoi moi avec ça? Je peux pas passer? Ah non, hein, par contre je peux pas passer. Voilà, je vous aurais bien dit, je suis pas assez à la cinématique mais je ne peux pas. Je crois que c'est trop important. Lui, il faut pas des masques pour jouer. Je sais pas, est-ce que si je tape dans le truc au milieu de son masque, ça fait quelque chose? Ah bah maintenant quoi. Oh là, mais arrête de mettre la race quoi. C'est ça, vas-y Nimco. Ah mais je peux rien faire là. Ah, je pouvais faire ça. Il est où encore? Ah, ah, tu m'as pas eu. Elle est où là? J'en aurai besoin. Oui! Oh oui! Oui, 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 oui! Oh, ça fait plaisir. Ah, ah, ah. Bon, tu te calmes maintenant! Voilà, c'est ça. Oh, c'est gentil, tu me donnes un truc. Boule en bois. Il fume. Mais arrête de me pose. Ah, ça pète de partout! Voilà. J'ai de l'encens. Ok, d'accord. Voilà, nouveau chapeau de Rode disponible. Oh, celui du fabricant de masques. Oh, faut que je l'achète celui-là parce qu'il est terrible. Et ben voilà. Oh, et des Rodes. Pouah. Par 25 et on sera bon. Bon, ben les petits malins, ça a duré un peu plus longtemps que prévu parce qu'on a été, on a poussé l'exploration en tout cas jusqu'au bout. Donc, je suis très heureux de vous avoir vu et d'avoir suivi cet épisode avec vous, d'avoir joué avec vous et tout. Et on n'oublie pas, pour suivre toutes les aventures, eh ben, on s'abonne. Et on active la cloche et on vient laisser un commentaire pour tous les petits chapeaux. On a trouvé la première relique pour aller affronter Toshi. Et donc, voilà. Donc, ben, y a de grandes chances qu'une fois qu'on ait trouvé les trois, ben, on puisse affronter Toshi et voir ce qu'il s'est passé avec cette fameuse créature mystique
Et pourquoi la montagne a craqué, les champs ont craqué, pourquoi tout a pourri, pourquoi ça ne va pas. Voilà. Mais ça, ça sera dans un autre épisode. Allez, salut les petits malins!